Франсуа, ты забил сегодня быстрый гол на первой минуте матча. Какие эмоции испытал, забив в самом начале встречи, и стало ли это неожиданностью для тебя? Bah, c'est toujours un plaisir de marquer des buts, surtout dans un derby. Je pense que c'était l'objectif, surtout de bien rentrer dans le match. Donc je pense que par rapport à ça, par rapport à l'émotion, je suis content du fait de marquer. Et ça nous a aidé pendant un moment. Et après, voilà, ils sont revenus au score. Donc dommage, mais on a poussé jusqu'au bout. Не считаешь, что команда рано расслабилась после быстрого гола? Non, pas relâché, parce que on a toujours défendu, on est resté, mais ça se voit parce que récemment on a beaucoup perdu assez de matchs, donc on est en manque de confiance. Donc ça s'est vu dès qu'on a marqué le but, on a voulu surtout bien défendre pour ne pas encaisser le but. Donc on a essayé de rester solide, on est resté solide. Et à la suite, on manquait un peu de confiance pour aller chercher le deuxième but, surtout. Donc, mais dommage, voilà, ça s'est vu sur quelques actions, des petites actions qu'on réussissait avant. Et ça ne marchait pas, les petites passes, on n'arrivait pas à nous trouver dans les trucs. Après, eux, ils ont bien joué le coup aussi. Мы нанесли всего 3 удара по воротам за матч. Почему не удавалось провести больше атак? Mais je pense que c'est dû aussi aux enchaînements des matchs qu'on a eu, parce que on a eu assez de matchs ces derniers temps. Et d'entrée, on marque le but. La première des choses, on voulait bien défendre aussi pour ne pas encaisser. Et après, on a eu quelques situations, quelques tentatives qui n'ont pas marché. Mais par rapport aux tirs cadrés et non cadrés, ça résume tout en fait. Уже через неделю нас ждет еще одно дерби, и снова в Черкизово против ЦСКА. Какой настрой на матче и что ты скажешь болельщикам? Bah, déjà, ça se voit qu'on est un peu dans le dur par rapport aux résultats. Et on sait qu'on a un gros match aussi contre le CSKA très bientôt. Donc du coup, on va essayer de prendre les choses positives dans ce match. Essayer de bien travailler les erreurs qu'on a pu commettre sur ce match. Et essayer de revenir plus fort que ce match qu'on a opéré aujourd'hui. Et par rapport aux supporters, on sait qu'ils sont derrière nous. On est conscient de la situation. Donc chacun est rentré frustré par rapport aux résultats. Donc on va essayer de tout donner pour regagner et retrouver un peu le sourire sur le match contre CSKA.